Ça va pas être pratique. Il n'y a plus de plugin pour le chat. J'ai pas vraiment de solution pour l'instant, c'est juste que Nightbot est en maintenance. Donc j'ai paumé une partie de la sauvegarde, mais c'est pas grave vu que je sauvegarde comme une grosse psychopathe. Donc désolé pour l'absence de chat. J'essaierai de régler ça dans quelques heures. Hein. Faut juste attendre que Nightbot ait fini sa maintenance. Donc voilà. Me revoilà, c'est parti. C'est juste totalement parti. On va faire ça. Faire ça. Il n'y a pas de problème, hein, le PC a planté. C'est des trucs qui arrivent. Hein. Malheureusement très souvent. Sur mon PC, qui est une vieille bouse. Efficace, scaphandre. Ah, ça c'est fait. Le combat. Voilà, tu mets le point sur pourquoi je ne fais plus d'associatif. C'est surtout que ça m'a grandement fatigué de faire de l'associatif, j'ai plus envie. J'en ai fait longtemps, j'en ferai plus. Je passe la main. Je me concentre surtout sur ma chérie. Parce que l'associatif, c'est un truc de toute façon que tu t'arrêtes jamais. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Oh putain, je suis tellement claqué. Ouais, c'est... Alors moi je laisse ça à ceux qui ont le courage, l'énergie et tout ce qui va avec pour faire de l'associatif. Moi je n'ai plus rien de tout ça. Mais très clairement, hein, j'ai plus rien de tout ça. Et maintenant je me concentre sur ma chérie, sur les gens que j'aime. Alors... J'ai beaucoup de mal avec cette approche directe du truc. Parce que, en fait, j'estime que ma chérie, par exemple, a le droit de parler de ce qu'elle vit avec moi. Alors, c'est pas parler à la place des personnes trans, pour le coup. Mais c'est parler aussi de ce qu'elle vit en transphobie par le fait d'être avec moi, tu vois. Et c'est vrai que quand dans le milieu militant on est beaucoup sur le
putain, possible. Putain, fais chier. Ok, on fonce dans le tas. On va essayer de tout donner. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ok, ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est quand on est... Enfin, quand le milieu militant est tellement dans le... Les cis ne peuvent pas parler que les proches de personnes trans ont parfois, souvent, peur de parler de leur vécu avec une personne trans à force de se manger du thé pas légitime, voire se prennent thé pas légitime pour parler de... Non, elle va pas parler à ma place, clairement. Mais dans le milieu militant, on peut lui dire qu'elle parle à ma place alors que c'est pas le cas. C'est quelque chose qui malheureusement se voit trop souvent. On a un milieu qui est extrêmement... Enfin, milieu militant, je dis on a un milieu. Je m'en extrais difficilement. Le milieu militant est extrêmement... agressif. Et virulent envers des personnes qui sont pas forcément... Et ça peut être très violent pour les personnes qui le prennent. Allez, coup de griffe, propulsion, tuez-moi tout ça, tuez-moi tout ça, tuez-moi tout ça. Ça c'est bon. Succès déverrouillé, propulsion, ça c'est cool. J'aurai jamais le temps de finir. Éclair 2. Attaque, attaque. Voilà, c'est bon. Alors, je reviens. Hop, je regarderai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Non, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Allez, plus vite, j'ai pas fait... Putain, il me tape un con. Ouais, bah... Voilà, bon. Là-dessus, je dirais juste l'existence, quoi. Ah, super, j'ai comète. J'ai comète, j'ai comète. Bonne nuit, Tisha. J'ai comète, là, ça peut le faire. Ça peut tellement me sauver la vie, comète. Fuir. Je crois que ça va jamais passer. Sérieusement, ça va jamais passer, quoi. J'ai pété la barrière, j'ai pété la barrière. Voilà mon côté, j'ai pété la barrière. Allez, allez, allez. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pas grave. Allez, meurt le mob, meurt. Non, tellement meurt le mob. Juste meurt le mob.
Putain, merde, pas ça que je voulais faire. Non, 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 j'ai pas le temps. C'est passé. Je sais pas trop comment, mais c'est passé. Mais ça finira jamais. Je finirai jamais à temps. Allez, allez. Alors. Il me faut de la foudre. Hein. Moi, j'ai de la foudre là. Non. J'ai pas de foudre. Pas de foudre. Voilà, ça c'est bon. Là j'ai de la foudre. Au moins ça fait du dégât. Comète. Allez. Pète-y la tronche avec ta comète. Merde, il est mort. Secondes, ça sera jamais bon. Merde, le combat. Encore un combat, ce sera jamais fini. Oh. C'est fini et c'est game over. Donc, ouais, bah, je dirais que les Istrans suivent le même schéma que ce qu'ont vécu les Prides. Hein. C'était juste évident que ça arriverait un jour. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de groupes de. Trans, le groupement de trans auquel je vois rien à... avec lesquels je veux pas avoir affaire aussi. Parce qu'il y en a, enfin, je sais qu'il existe trans, qu'il y en a qui sont venus uniquement pour mettre une banderole pour des élections. Hein.
C'est... Râpé, bon. C'est râpé, mais en même temps, je peux pas le refaire, hein. Il faut aller à Fort Condor. Il est plus rigolo. Ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir en fait. Il faut que je mette sur l'herbe quand même. Ouais, comme ça, dans le normal, quoi. Classique, je dirais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut payer. On va attendre que ça passe. Alors, on démarre. Bon. Voilà, maintenant on va se faire chier. Mais j'ai pas que ça à foutre de dépenser mon pognon, mes quelques maigres économies là-dedans. Je vais faire un petit truc pendant que je peux. Ah merde, là si je fais ça, ça va mettre en pause. Un petit truc pas con. Je mets le chat pour pouvoir modérer en cas de besoin. J'espère ne pas en avoir besoin, mais au cas où, ce sera fait. J'ai tellement pas envie, quoi, de faire ce truc-là. Ce mini-jeu, il m'éclate, mais pas dans cette run, pas aujourd'hui. Tellement de temps d'aller me faire un café. Je vais me mettre un truc sur le dos pour pas mourir de froid à cause de la fatigue. Café. Ouais, c'est bien. Ennemi rencontré, c'est bien.
faut que je gère ça. Oh mon dieu, quel dommage. Attends, pareil, un autre truc qui va me faire gagner un petit peu de mémoire. Edit layout. Voilà, on n'est pas au centième de seconde. Faut pas déconner. Invasion ennemie. Oh, j'ai mal. Ok, là on peut commencer à parler éventuellement. Une petite bestiole terrestre qui arrive. Je vois qu'il faut quand même gagner, hein. Malheureusement. Alors, il me faut des gens efficaces contre ces bestioles-là. Thank you.
C'est tellement relou cette phase. C'est tellement super relou.
aussi. Tellement aucune autonomie, ces mobs. Tellement long ce truc. Qui sont dans la zone. Tellement chiant.
Alors, j'adore l'absence totale d'initiative. Des soldats, hein. Ça, il n'y a pas de doute, c'est des soldats. Hein. Aucune initiative. Oh, je dois aller attaquer un ennemi. Oh, un ennemi. Si je m'arrêtais et que je demandais ce que je devais faire. Tellement chiant cette phase. Non, sérieusement, ça finit un jour. Alors le poulpe, il demande si ça finit bientôt, ce truc chiant. Thank you.
Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là 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 là. Allez, un jour. Youpi. Youpi, c'est fini. Non mais en fait j'en ai rien à péter de toi. Sérieux.
Attends, sérieux. La pupiaf. Voilà. Ça, c'est du gros piaf tout jaune. Enfin réussi à me débarrasser de ce truc. Putain, ce fut long. Où dois-je aller maintenant? D'accord. C'est l'heure de récupérer le perso qui sert à quelque chose. Putain, ce fut long et chiant. J'ai que ça à dire, hein. Ce fut très long et très chiant même. Mettre Phoenix, hein. Phoenix, ça sert. Je vais sauvegarder parce que ça a été tellement la mort. Ça a vraiment tellement été la mort. Il y a quoi ici? Je suis pas allé. Il y a un élixir. Banzai, va pouvoir avancer. C'est l'heure de la basson.
tellement à l'heure de la baston, quoi. Deux cas, c'est pas combien il a, mais beaucoup. Je sens que ça va être douloureux. Run. Il n'y a aucune chance face à Smog. Pas avec l'équipe de Branquignol que je me coltine, quoi. Putain. Merde, c'est passé. Oh merde, c'est passé. Mais ne rappelle pas, t'as failli crever, couillon. On tombe dans un fond vert. C'est de l'incrustation, hein, y a pas de doute. C'est le moment brainfuck de la run. C'est vraiment l'instant brainfuck là, hein. Y a pas d'autre terme. C'est du brainfuck, c'est du relou. Je vais essayer de remettre le chat. Ça a l'air revenu. Ou pas. Ouais, ça revient. Après quelques heures d'absence, le chat est de retour. Oh putain. On peut bouger. On peut faire quelque chose. Oui, j'aimerais bien faire quelque chose.
On arrive vers la fin du calvaire. Reste quoi après? 2 méga matéria. Repasser à Nibelheim. Se taper Midgard. Profit. C'est là qu'on apprend la vérité. Et puis moi je vais me mettre au chaud. Parce que je commence à avoir salopement froid. Hop. C'est l'heure de se mettre au chaud. Totalement au chaud quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est déjà bien d'avoir quelqu'un à cette heure-là. Hein. Faut être clair. J'ai tellement claqué, moi. J'ai tellement envie de pioncer. Ça. Je vais passer sur la chaîne. Non, pas comme ça. Pas comme ça, t'es... Voilà, chaîne. Ici. Alors je coupe. Bah ouais, 3h c'est tard, hein. Moi normalement je dors à cette heure. Putain, on entend vraiment mon... On entend vraiment mon écran à mort, quoi. Enfin, mon ma manette à mort. Voilà, je me mets là, un peu plus au chaud.
tellement de fatigue. Tellement la musique du stress. N'empêche que le jeu a déjà été terminé deux fois par un speedrunner depuis que j'ai lancé là. Hein. Ça là, je mets ça là, je mets ça là, je mets ça là. Tellement long. Re-Chris 4, comment ça va? Sur des cinématiques de l'infini. J'attends juste de pouvoir reprendre la main en fait. C'est tellement relou ce passage. C'est bon, je reprends le contrôle, merci. Ah c'est dur, on arrive près de la fin du jeu quand même. Hein. Là en gros il me reste 3 gros bouts à faire je dirais. Je vais peut-être finir avant les 30 heures en fait. Là, on s'approche de la fin.
Quand je dis peut-être fini avant les 30 heures, c'est peut-être, hein. C'est pas garanti. Mais c'est possible. On arrive dans la phase où on récupère Claude. Ok, bah écoute, bonne nuit, hein. Bientôt la fin de ce passage de chiantise infinie. Je vais tellement finir ce passage. Je vais tellement récupérer une équipe qui vaut le coup. Oh si, elle est encore dans le coin. N'en fais pas. Et puis moi j'ai dû redémarrer mon stream parce que le PC avait encore planté. Donc en 18 heures, le PC a planté deux fois. Ça va. J'ai connu pire. C'est assez relou, mais ça va. C'est bon, elle a compris, pas besoin de le refaire 50 fois. Merci, au revoir, allez vous pendre. J'ai pas tardé, ouais ça commence à être long hein. 19 h, ouais ça commence à être longué, je confirme. Oh fuck. Ok, bonne nuit.
Voilà. Bah écoute, ça va, je suis fatigué, mais ça va. Nina doit être en train de dormir, les animaux aussi. Le Tidor est fini depuis bientôt 4 heures, mais je continue mon stream. J'ai dit que j'irai jusqu'à la fin du jeu, j'irai jusqu'à la fin du jeu. Alors, il y a déjà un truc à aller chercher, deux trucs à aller chercher, trois trucs à aller chercher. Hop. Donc non, c'est pas ça. Allez. Et bon, c'est la fin. Alors, si j'essaie de retrouver... Allez, faut retourner papoter. Je me souviens comment choper les armes ultimes. Alors. Il
Parce que je vais quand même aller choper quelques armes ultimes. Histoire de me simplifier un peu la vie. T'en fais pas, Crisquette. Fantasma, comment ça va? Te réveiller. J'espère que tu t'es bien reposé quand même. Donc, maintenant on va équiper les gens. Commencer par lui là. Besoin qu'il est manique. On va déjà le mettre manique. Après, faut qu'il ait un talent d'ennemi. Hop, il y a un talent d'ennemi. Après, ça, c'est une bonne idée. Ça aussi. J'ai plus de matériel bleu, ça c'est moins cool. Je vais mettre un restauré. Je vais mettre contenir. Ranimer. Ensuite pour elle,
pas servi les noms des mecs. Ouais, c'est lui qui m'a piqué tous mes matériaux. GPS magique. Important ça. Voilà, ça me semble pas mal. Et voilà. On a rééquipé tout le monde. On devrait bien aller. Alors je vais faire un passage à Nibelheim. Ne vous inquiétez pas, ça devrait être rapide. Donc, d'accord, donc Tifa, je sais où je dois aller, je sais tout ce que je dois faire pour Tifa, c'est parfait. Je vais aller vérifier ce que je dois faire avec pour avoir la dernière limite de Tifa. Parce que j'ai pas envie de jouer du piano pendant 200 ans en fait, tout bêtement. Celle de Cloud, on va juste aller s'asseoir dessus. Hein. Donc on va chez Tifa. Alors, do, ré, mi, si. Allez. Merci, on va y arriver. Donc,
Perdu. On la refait. Alors. Ah, d'accord. Fa. Do. Le ré. Et le do. Tellement magique. On va retrouver parce que là c'est tellement relou. C'est tellement relou à débloquer ce truc. On s'en fout. En fin de page. Ça va y arriver. Alors, on s'est refait. Alors, 3 carrés, triangle. Ah ah, voilà. Tada, dernier paradis. La limite ultime de Tifa. Plus qu'à lui faire tuer des gens. Voilà. Je passais uniquement pour faire ça. Parce que des fois dans la vie, faut quand même ramasser un peu de stuff. Donc la dernière limite de Tifa, c'est bon. On va aller chercher son arme aussi.
C'est en bas. Bon, ça va être précisément là, normalement. Map. D'accord, c'est sans intérêt. Putain, sérieux. Ah, faut déjà que je chope le gars qui me dit que... Attends, faut déjà que je passe à Midgard, je crois. Je sais qu'il y a une fille qui traîne. Ouais, je m'approche de la fin. Ah, mais une fois que t'as fini le CD1, ça va vite, hein. Allez, dis-moi que c'est bon, j'ai horreur de ce jeu de fouille. Bon. Non, ta gueule, toi. Alors attends, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne.
Ouais, je veux la clé de Midgard, mais le truc, c'est qu'il veut pas que je fouille avec l'arc lunaire. Et je sais plus quel type de trésor je dois choisir. D'accord, c'est pas du 100%. Niveau 38. Ouais, je suis nul. Bon. Bien réussir à faire quelque chose. Ah, j'ai tellement morflé au cratère, c'est pour ça que j'ai envie de me stuff un peu en fait. Ok. Voilà, soit. Bon, après, ça se fait, hein. J'aimerais juste réussir à choper cette putain de clé. Sérieux, tu te fous de ma gueule, le jeu. Bon, tant qu'on y aura, tu cherches avec un trésor ordinaire. Hein. Oh, tellement rien. Pourquoi je chope pas la putain de clé de Midgard? Non, sérieux, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'arrive pas à choper cette putain de clé. C'est juste pour choper une arme pour Tifa. Hein. En bas. Bon. Allez. Dis-moi que c'est la clé cette fois. Soit j'ai pas de chance, soit je m'y prends mal. J'opte pour les deux. Alors, allons voir ça. D'accord, ouais, faut que je regarde dans Trésor ordinaire. J'ai bien compris, c'est ça. Hein. Donc ici, théoriquement. Ok, bah bon café.
Merci. Ah putain. En fait, faut avoir du bol pour que ce soit ça qui soit indiqué, si j'ai bien compris. Ah là 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 là. Mes aïeux, hein. À toutes. En tout cas, merci pour la clé, parce que putain. Bahamut 0, pas encore. Bahamut 0, faut que. Il me semble que c'est avec la matéria de la fusée. Non. J'irai vérifier. De toute façon. En cafetière. On va se recoltiner des maisons. Alors, on va pas aller voir clignoter Iris. Si, déjà. Ah, bah, putain. C'est celle du Faucon d'Or, du coup. Parce que si c'est avec celle de... Si c'est avec celle du village de Barrette, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai ratée et je pourrais pas la voir, en fait. Attends, je vais rouvrir le site. Ah ouais. La méga matéria bleue, c'est laquelle? C'est laquelle, la méga matéria bleue? Alors. Bon, j'irai voir ça après. Et voilà. Je garde ça pour un peu plus tard parce que j'ai quand même des matériaux à pexer. J'ai quand même des matériaux à EP, mais au moins j'ai son arme. Écoute, je vais aller voir le coût du secteur jaune, hein. Ça peut m'économiser un truc ou deux. Je pensais que c'était celle de la fusée, en fait.
Ouais, bon, on va essayer. De toute façon, au pire, ça fera un méga élixir. Donc, où qu'il y ait le secteur jaune. Re. Non, bah 8-0, faut être au disque 3. Je viens de voir. Il faut être au disque 3. Donc ça attendra un peu. Je ne suis pas encore au disque 3. Pas encore, ça va venir. Mais pas encore. Voilà, on peut manquer des méga matériaux. Là, par exemple, j'ai totalement raté celle de Corel. J'ai pas réussi, j'avais pas le niveau. Donc. Alors, je vais chercher un mob. Alors, désolé pour le Gerbotron 5000. Je vais essayer de voir si je retrouve dernière arme là. Ok, un truc simple pour ça, c'est les dispo. Hein. C'est pas encore l'heure, d'accord. Pas de problème, c'est juste pas encore l'heure. D'accord. Après l'arme de diamant, donc au CD3. Allez. Du coup, direction Juno. Je sens tellement que je vais me faire rouler dessus, moi. Oui, c'est vrai que le CD3, c'est juste quand tu rentres dans la grotte nord. Allez. Manzai Troulala, youpi. J'ai tellement l'impression de rater quelque chose.